Le prétexte aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe Andy Basket qui va se tenir le 28 jeudi au Stadium Maris Ndiaye et qui va clôturer notre saison qui a démarré depuis très longtemps. La première activité que nous avons menée à l'orée de la saison 2016, c'était une activité de formation. Nous avons mis à niveau nos cadres administratifs et nos officiels techniques. C'était une formation interne menée par les techniciens de Handisport en relation notamment avec nos amis officiels du basket. Donc ça, c'était la première activité. La deuxième activité, c'était le tournoi de Sissifoot. Vous savez que nous sommes pluridisciplinaires, mais aussi pluricatégoriels. Le tournoi de Sissifoot, sa particularité, c'est qu'il se déroule surtout à Thiès. Ce n'est pas étonnant, parce qu'à Thiès existe l'Institut national de formation des jeunes aveugles. Et le tournoi regroupe des clubs par affinité régionale ou géographique. Et la nouveauté cette année, c'est que contrairement aux années précédentes, le tournoi, le championnat s'est déroulé sans discontinuité. La spécificité, c'est que c'est le bureau de Handisport qui prend en charge toutes les dépenses en amont. Le transport est payé en amont, les frais d'officiel sont payés en amont, les frais d'organisation, n'en parlons pas. Quand on avait de l'argent, on l'organisait. Quand on n'en avait pas, on différait la journée jusqu'à retrouver de quoi organiser. Cette année, nous avons eu l'apport à ces substances. Je pense donc que c'est en progression. Donc, samedi et jeudi, nous allons faire la finale. Et la finale, pour une fois depuis 5 ans, n'opposera pas Tali Boudabo à Handistar. C'est les équipes qui ont fait les 5 dernières finales. Et cette année, elles ne se sont même pas qualifiées pour la demi-finale. Ça veut dire que quelque part, il y a une lutte féroce pour les déboulonner. Nous avons donc l'équipe de Pikin qui est créée depuis l'année dernière. Et l'équipe de Dakar Plateau. Plateau est une habituée des finales, mais dans les premiers temps de la fédération. Je crois que les 3 premières éditions ont été gagnées par Plateau. Depuis, elle était tombée un peu dans l'oubli, mais cette année, donc, elle s'est réorganisée. Au-delà maintenant des aspects nationaux, nous avons participé à des compétitions internationales. Ce qui nous vaut aujourd'hui de préparer les Jeux paralympiques de Rio. Nous avons Mademoiselle Dagedio qui va y aller au lancer du poids et du javelot. Et elle le doit à une wild card, mais selon ses performances. Parce qu'on a pris les meilleures performances aux Jeux africains de 2015. Et elle en fait partie. Il y a également Youssoufa Diouf. Youssoufa Diouf, c'est l'une des plus fortes chances de médaille, valide et handicapée confondue. Parce que Youssoufa Diouf est 4e mondial. Il est premier africain, il est recordman d'Afrique. Et croyez-moi, il s'entraîne comme une mule. Donc, nous pouvons espérer rentrer des Jeux paralympiques avec une médaille. J'ose espérer simplement que ce jour-là, vous serez nombreux à l'accueil et que vous allez booster le gouvernement pour que Koudef Louray, Amlou Ponkol Sakh. Donc voilà mes chers amis, et en lançant un appel pour que le public soit présent à Maris Ndiaye, c'est l'entrée est libre et gratuite et je vous garantis qu'il y aura du spectacle. N'est-ce pas, monsieur le président? Je vous remercie.